Bonjour Ginette. Bonjour Gertrude. Ah ben vous avez une mine resplendissante. Ah, vous trouvez? Je me trouve un peu pâle. Mais à part ça, ça va. Et vous, ce confinement? Oh, m'en parlez pas. Je ne supportais plus de rester confiné dans ce frigo avec mes copines. Bon, on n'avait pas à se plaindre, hein, bien bordé dans un torchon bien humide. Mais quand même, il y a des limites, hein. Rester au froid par ce soleil. Et vous? Ah, eh bien moi, j'ai eu chaud, hein. Oui, j'ai pu m'échapper avant de passer à la cocotte minute. Oh, le jambon, la mayo, la vinaigrette, c'est pas mon truc, hein. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Oh, je parie qu'elle n'a pas son autorisation, celle-là. Au fait, tu l'as, toi? Ben oui, je l'ai. Moi, j'ai eu du mal à signer. Moi, j'ai coché la case jogging, mais j'ai pas envie de rejoindre mon frigo. Et toi? Non, je n'ai pas d'autorisation. Oh, merde. Oh, puis après, si on est à 1 mètre de distance, ça devrait aller, hein. Bon, c'est sûr, se moucher dans le coude, pour nous, c'est pas évident, hein. Bonjour, les filles. Quelle vulgarité. Ah, et puis ces cheveux longs, dégueulasses. Ah, sans compter les odeurs. Eh, franchement, hein, le confinement, il devrait s'appliquer toute l'année, ce genre de légumes. Tiens, tiens, c'est pas Monsieur Lavet, hein, qui arrive à petite foulée? Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bien lui, ouais. Le vieux beau qui habite aux 15 rues du potager. Moi, je le trouve pas mal du tout pour son âge. D'ailleurs, après le confinement... Ne me dis pas... Non. Ne me dis pas que... Ne me dis pas que Monsieur Navet et toi...